Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Énorme vidéo aujourd'hui, je suis avec Yassine. Yo yo. On a tous les deux un sac. Déjà, merci beaucoup Nike. On va présenter notre paire chacun notre tour. Allez, je te laisse commencer. Vas-y. Donc en gros, on a une paire qui nous vient de chez Nike. C'est la toute nouvelle Mercurial qui vient de sortir. Elle est sortie le 5 novembre, donc regardez-moi ça. Je vais vous sortir ça tout de suite. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc moi, je les ai prises en basse. Et en gros, là avec le Nike jaune et la Nike bleue, elle est incroyable. Elle est faite pour les joueurs qui joue avec de la vitesse, qui joue avec de la percussion, etc., etc. On va les tester aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Moi, Nike m'a envoyé la Phantom GT. Le sac, il est comme ça. Elles sont exceptionnelles. Regardez-moi ça. Je kiffe de fou. C'est les crampons que peuvent porter Icardi, l'attaquant du Paris Saint-Germain, et bien d'autres encore. Donc regardez, et au niveau des crampons, ils ont changé ici pour avoir un meilleur maintien. Et franchement, ceux-là, elles sont faites pour la précision et aussi, ils les ont faites pour la vitesse. On va tester aujourd'hui. On va tester, on va essayer de les mettre. On va voir si elles sont faciles à mettre ou pas. Ça c'est pour les pieds fins quand même, les mercuriales. Mais logiquement au début quand tu commences à mettre des mercuriales, elles vont être un peu serrées le temps qu'elles s'habituent à ton pied. Tac. Ouais, je suis rentré grave vite. Normalement ça devrait le faire. Hop. Bon, on va regarder ce que ça donne au niveau du confort. On va commencer par un petit tennis ballon. Ouais. C'est parti. Premier exercice, on va enchaîner plusieurs frappes. Je vais te laisser commencer. En gros, il y a un penalty, un deux touches, deux frappes, un duel avec le gardien. Celui d'entre nous qui met le plus de buts remporte l'exercice. C'est parti. Ça va, pour l'instant, je me sens bien. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas mis de crampons avec des lacets. On va voir ce que ça donne avec le ballon. Ouais, papy. Quand tu veux. Oh, la panelka. Bien joué, deux touches. Excellent. Ok la famille, pour ce premier exercice, je me suis bien échauffé. Franchement dans les crampons on se sent super à l'aise. Ce que j'aime bien c'est que ça accroche bien le terrain parce que vu que c'est un nouveau synthé, et bah ça glissait de base avec mes anciennes. Là ça glisse pas trop, ça accroche. Tu vois le dessous comment il est? J'ai même pas vu. Ah ok ok. Ok là on va passer sur des centres, on aura 5 centres chacun, il va falloir être le plus efficace possible. Si on veut tenter des trucs, on tente des trucs, sinon faut l'efficacité. Parti. Méchant. Ouais, t'as mis un truc, papy. Regarde celle-là, regarde celle-là. Voilà, c'est dur, regarde celle-là. Nul, wesh, papy. Arrêtez, la frappe. Waouh. Retournez. Yeah. Oh la tête. Oh. Waouh. Papy t'es filmé, oublie pas. Waouh. Waouh. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué en fantôme. Franchement pour la finition, magnifique. Plat du pied, coup du pied, franchement y'a rien à dire.
précision, finition, franchement c'est Nike, ça a toujours été au top. Et là c'est encore plus au top. On va finir par l'exercice qui va nous dire vraiment si c'est des vrais crampons, deux touches challenge, 5 essais chacun. C'est parti. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tu mets combien de 1 à 10 à tes crampons? Je mettrais 8,5. Moi je mets 10. Franchement, je vais les mettre tout le temps maintenant. Elles sont incroyables. Vraiment, j'ai trop kiffé. Les embouts ici là, les gars, pour ceux qui ont des nouveaux synthés comme nous, on a, achetez-les parce qu'avec ça on glisse pas. Ouais, c'est vrai que ça glisse pas. Ça glisse pas du tout avec ça. Par contre, niveau genre esthétique, je leur mets 10 sur 10. Elles sont super belles. Il y a un bon flow avec. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Il y a aussi les longues, les courtes. Prenez ce que vous voulez. Nous, on va vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un like, c'est important. Ciao. Ciao.